La politique est-elle une jungle? C'est un livre docteur Eugenia Romain qui s'est président Conseil Transition Nationale que Moïse Jean-Charles lui-même lui mettait sous pied a écrit. Faut que nous connaissons gagner un nouveau conseil qui mettait sous pied la côté Moïse Jean-Charles by garanti que tout bagaille pral tourné de la normalité immédiatement que membres conseil transition sa yo même yo installé. Nous pral tande pour qui raison Moïse Jean-Charles lui-même li choisi poser une telle action. Et nous pral tande déclaration Marjorie Michel ensemble avec André Michel sous conseil national transition sa talè kon sa. Puis devant nous gagner la famille Benjamin qui annonçait que funérailles Michael Benjamin alias Mikaben gagné pour chanter 6 novembre qui a venu là Miami Floride, mais gagné un membre de la famille qui ba garanti que corps Mikaben lui-même li gagné pour le retourner en Haïti et ensemble avec moi nous prenons des déclarations famille Benjamin. Puis devant mesdames et messieurs nous gagné Tichito, qui c'est un ancien membre qui t'a travaillé dans le ministère de la Justice, qui t'a fait un paquet de fraude, côté commissaire gouvernement au Kaila, Richmond by plus explication sur ça, et la police nationale d'Haïti frappe fort côté les mains membres, yon allié. Vite l'homme qui passe suspend by problème dans ton sel. C'est toute information avec diverses lotes qui pourraient faire essentiel actualité nous jeudi. Coucou tout le monde, bienvenue sur Info 5, chaîne Information Noire avec Fabula Jean-Charles. Encore une fois, c'est un plaisir pour nous rentrer la caillou à rubrique Information ça. Bien avant nous aller plus loin après temps, pour nous dire merci ensemble avec vous-même qui like, qui commente, qui partage, et merci ensemble avec vous-même qui toujours invite vos familles ou vos amis ou abonnés à Info 5 pour être capable de toujours gagner bonne information. Jeudi à ce lundi 24 octobre 2022. Tout de suite, n'a prendre dans développement titio mesdames et messieurs. Dans le week-end qui s'est passé à la docteur Moïse Jean-Charles, nous connaît qui fait tout parcours net de manifestation qui t'a pral abouti ensemble avec yon paquet de gaz qui t'est quand même poussé le rang sans devant ambassade américaine 17 octobre qui s'est passé à la décider mettre sous pied le conseil national transition qui a gagné dans tête li mesdames et messieurs docteur Eugenia Romain. Mais nous pas trop parler en pile, n'a bonne chance attendez et suivre déclaration docteur Moïse Jean-Charles. Principal ou bien mission conseil ça. Les gars en premier. Pour chita à tout citoyen. Pour chita avec même le groupe qui devait être choisi faire l'autre commission et Pio Chita avec l'espoir qu'il a, Pio choisi au premier ministre. L'air fini, il va consulter tout le secteur de paysan, Pio capable compléter pour cassation et après, Pio choisi neuf femmes pour créer un conseil. Le conseil ça va nous durer un an. Et pendant un an, nous devons mettre la paix dans le pays. Puis, commission, conseil sanguin, c'est stabiliser le pays, c'est mettre la paix et une chance pour les citoyens capables d'évacuer à l'occupation. Qui donc, sécurité, les priorités, la priorité pour les haïtiens. Conseil ça, il y a beaucoup de travail. Dès qu'arriver dans notre pays, on commence le travail pour mettre activité pour que le programme social soit capable de porter soulagement dans les citoyens. Conseil ça, il y a beaucoup de travail pour l'aider. Toute une classe moyenne qui est victime, qui a été écrasée dans le moment. Conseil ça, il y a tout pour le travail, pour être capable de retirer dans la 50 ans. Mais ce n'est pas conseil là, non. Conseil là, pas le travail avec le gouvernement qui va le monter. Parce que conseil là, il y a une mission déjà. Conseil là, tout, pas le travail avec le gouvernement pour la baisser. Conseil là, pas le travail tout avec le gouvernement. Là, on voit l'argent. Pas citoyen, pour l'argent fini, non mais citoyen, j'en veux pas citoyen. Conseil là, pour parler avec diaspora, pour l'encourager, pour investir dans le pays. Conseil ça, il est là, il parle de travail dans tout niveau, pour pouvoir porter
solution pendant pays. Voilà, mesdames et messieurs, nous sortons des déclarations. Docteur Moïse Jean-Charles, sous-conseil national transition et président et vice-président, parce que c'était important pour être capable de faire pencher sur tout petit. Qui est-ce qui? Docteur Eugenia Romain. Docteur Eugenia Romain arrivé dans le pays Québec pays Canada, ville Québec, en 1972, côté, il a commencé carrière politique, lui, en 1993, elle te rejoint Bloc Québécois. Puis devant, mesdames et messieurs, en 2000, nous gagnons Eugenia Romain qui t'a pris à tourner vice-présidence Action démocratique québécois. ADQ, côté normalement, mesdames et messieurs, l'été gagné plus total investir dans l'année 2013. Il n'a pas décidé pour te quitter poste là et il était obligé de faire un scandale. Ensemble avec ça, côté Maril, t'a participé dans diverses fraudes sociales dans le pays Canada, ça qui t'a pral empêché pour lui-même capable d'avancer ensemble avec carrière politique. C'était un membre tout de l'État généraux sectoriel de la nation. En 2018, sous la présidence de Jovenel Moïse, et c'est dernier poste que Eugenia Romain lui-même était occupé dans l'administration politique en Haïti. Il était recevoir deux awards dans l'État de New York. Et surtout, il a écrit deux livres, yon qui gagne awards ensemble avec spiritualité et l'autre a gagné pour ensemble avec politique. Livre spiritualité a qui a ouais ak métaphysique, mesdames et messieurs, littéralement le bonheur passe par la spiritualité. Et deuxièmement, c'est la politique est-elle une jungle. Ensemble avec moi, mesdames et messieurs, nous pourrons suivre yon ti kout intervention de Eugenia Romain dans émission Le Point Métropole qui t'a discuté, qui t'a bay quelques détails sur livre ça qui pote non. La politique est-elle une jungle dans l'année qui s'est passée là. On suivre ensemble avec moi. Théodore, merci beaucoup de m'avoir invité et ça va me faire un plaisir de parler à la population et à tout le monde qui nous écoute. Et bonjour à toutes les Haïtiennes et les Haïtiens. Donc, je l'ai dit, votre ouvrage, La politique est-elle une jungle, mais avant d'en parler, vous êtes intervenu hier à la tribune des Nations Unies. Et c'était en quelles circonstances? C'était quoi l'essentiel de votre message? Écoutez, on m'avait invité pour venir et mais je ne savais pas si je devrais prononcer un discours. Alors, compte tenu, je me suis arrangée pour être prête. C'est concernant les jeunes. Les jeunes, et puis qui prennent de la drogue, et puis qui ont des problèmes avec leurs parents, qui ne veulent pas rester chez leurs parents non plus. Enfin, qui ont des problèmes à caractère sociaux. Et c'est ainsi que, bon, j'ai prononcé le discours. Et ce que je demande à ce qu'on fasse quelque chose, à ce qu'on fasse des efforts incommensurables pour éradiquer cette affaire de drogue à travers le monde. Alors voilà, donc j'avais exhorté les gens, c'est les personnes qui sont responsables, qui peuvent prendre des décisions, voilà, donc pour pouvoir faire en quelque sorte si on peut éradiquer cette affaire de drogue, surtout chez les jeunes. Vous savez déjà que c'est, bon, je ne vais pas dire que ce n'est pas possible, mais vous savez déjà que c'est difficile. Alors, c'est la métaphysicienne, ou encore la doctorante en métaphysique qu'on avait invitée, ou encore la politologue, ou la femme politique que vous êtes? On a invité les deux, surtout la femme politique, premièrement, et puis deuxièmement, la femme qui tient à ce que l'éducation soit un cheval de bataille pour tout le monde. Parce que, vous savez, je ne veux pas enchaîner quand même, vous savez, je suis retournée sur Haïti, et puis depuis, je suis au niveau de l'éducation. Parce que je pense que l'éducation est une arme. C'est la plus puissante des armes qu'on peut avoir, c'est à l'occurrence l'éducation. Sans l'éducation, on n'y peut rien. Hein? Et c'est vrai, moi je suis d'ailleurs, dans un premier temps, je suis infirmière praticienne. Infirmière praticienne, ça veut dire que j'ai fini l'université de Montréal, j'ai terminé mon cours d'infirmière, ensuite j'ai fait une maîtrise, toujours en sciences infirmières, et puis par la suite j'ai été
pour me perfectionner au niveau d'infirmière et praticienne. C'est pas clinicienne, mais praticienne. Alors, je prescris, je fais beaucoup de choses. Donc, voilà. Donc, en matière de santé, je pense que c'est important, mais il faut commencer par l'éducation. Alors, c'est pour cette raison que je suis entrée et je me suis mise au travail au niveau toujours l'éducation et je travaille et en amont et en aval. Mm-hmm. L'amont, c'est l'alphabétisation. Mmh. L'amour, c'est l'alphabétisation. Et puis, entre-temps, arrivée en Haïti, je me suis présentée à la Fédération protestante d'Haïti pour être vice-présidente et j'ai été élue. J'ai été élue vice-présidente avec un mandat de 4 ans, bien sûr. Et j'ai travaillé, j'ai beaucoup travaillé. C'est à partir de ça que j'ai fini par mettre sur pied le programme d'alphabétisation. Et c'est ainsi qu'en 2018, nous avons gradué près de 850 personnes à Saint-Marc. Mais ça couvre tout, parce que une bonne partie de l'Artibonite, il y a Saint-Marc, etc. Donc, je vous enverrai quand même les photos. Mm-hmm. Donc, ensuite, j'étais vice-présidente de la l'Université Jean-Paul Mars. Et je suis doyenne à la faculté de sciences infirmières, toujours pour l'Université Jean-Paul Mars. Et c'est ainsi que, bon, après, on est venu me chercher et me donner rectrice de l'Institut supérieur des sciences politiques, économiques, juridiques. Donc, docteur Eugénia Romain a plusieurs cordes à son arc. Voilà, mesdames et messieurs, c'est docteur Eugénia Romain qui est président Conseil national transition Moïse Jean-Charles. Vice-président, c'est Edgar Leblanc fils qui fait partie de OPL. Mesdames et messieurs, il y a un parti politique qui existait depuis plusieurs décennies et Edgar Leblanc fils était fini deuxième élection présidentielle février 2016 côté Jocelyn Privert après la présidente transition nationale. Elle était aussi président Sénat dans l'année 1995 pour arriver l'année 2000. Et ensemble avec moi, nous allons suivre un court extrait de vidéo côté Edgar a essayé bailler une piste de solution sur ça qui a passé actuellement là en Haïti. Côté réponse sociale qui besoin là pour des réponses d'intégration économique qui besoin là pour faire que sa racine nous déracine elle nous fait que en sorte il pas qu'à reproduire ça encore pendant que par l'autorité par l'exercice de la puissance publique OK plus haute autorité sans compromission sans compromis avec OK avec fait que la police nationale joue son rôle quand elle est capable je crois à l'heure actuelle malgré grande défection qui gagne en donne malgré problème de connivence qu'il y a entre certains policiers et gangs, malgré faiblesse effectif ou bien d'équipement, c'est qu'il y a la volonté politique et que plus responsables politiques ont décidé qu'il y a encadré, il y a équipé la police nationale, une unité spécialisée, anti-gang je dirais, recevoir la formation rapide et l'équipement nécessaire, les cas fait face. Maintenant, les papes qui ont une situation ça, pendant trop longtemps, c'est qu'on est là. L'autre aspect économique, aspect d'intégration, n'est pas fait également en même temps pour faire que nous définitivement transformer la zone Sayo qui a produit gang, etc. Eh bien, il a produit des jeunes actifs qui a fait l'économie paysan relancer, qui a fait paysan reprendre dignité libre et venir jouer le rôle que il doit jouer dans l'espace régional. Là. Non pas un rôle de déstabilisateur, j'ai eu peur parce que mon a quitté là après à l'autre côté, etc. Mais il se passe certains remèdes, comme tu as dit là, le champion de la culture dans la zone régionale. Et à partir de cette culture aussi, tu as dynamisé l'économie qui est sur les champs créatifs. Ok, donc voilà donc comment que Mouel, c'est d'une façon holistique, globale, nous aborder la question. Voilà, mesdames et messieurs, il était vraiment important pour nous être capable de présenter nous président et vice-président Conseil Transition Nationale que Moïse Jean-Charles
décidé mettre sous pied. Et reste Mounio, c'est Jacques Seus Joseph qui a membre qui sorti dans Grand Nord. Nous gagnons Valérie Jean Eli qui c'est membre qui sorti dans Grand Sud. Jacques Rubens Bordenave qui responsable la Tibonite Plateau Central. Peggy Jean qui responsable la presse. Jerry Mocker qui responsable diaspora. Jean-Renal Renaud Léonore qui responsable ouvrier ak syndicat paysan. Nous gagnons Jérémy Dupont, mesdames et messieurs, qui responsable quartier populaire. Et voilà 9 membres Conseil national transition. Mesdames et messieurs, côté ancien sénateur Nol, décide de mettre sous pied pour capable résoudre la crise que le pays d'Haïti li a fait face ensemble avec lui dans le moment que nous avons parlé à la. Kounya la, on voit quelques réactions, takou, réaction André Michel et Marjorie Michel. Immédiatement après que vidéo a fin sorti, conférence de presse a fin faite et non moun yo fin listé, eh bien, André Michel déclaré, mesdames et messieurs, qui ça qui baille, yon sel moun doit pour choisir 9 moun pour diriger yon conseil transition. Ça, c'est première partie. Qui ça qui baille, yon sel moun doit pour nommer 9 moun pour diriger yon conseil transition. Bagay ça a pas sérieux. Nous devons respecter citoyens. Ça, c'est première partie. Mais André Michel, son monde qui vraiment gagne moi coûte à chaque fois, faut qu'on suppose essayer de rappeler qui ça a été qu'on dit auparavant. Là que Moïse Jean-Charles a décidé lui-même pour te camper dans le peuple là, André Michel était d'accord camper dans le peuple là tout jusqu'à ce que gouvernement qui tourne nous raconte côté le sorti, SDP rentre directement dans le pouvoir Ariel Henry. Mais bien avant de rentrer dans le pouvoir Ariel Henry, André Michel était dans manifestation, André Michel était dans toute radio, a bay déclaration comme quoi Ariel Henry pas gagné bagage légal et légitime pour être capable de mettre capé le gouvernement, mesdames et messieurs. Et mais je dis à la, qui est-ce qui a mis le gouvernement Ariel Henry a qui a défendu? Il parle que maître André Michel, qui donc en situation vraiment compliquée. Reste parole a dit, on suspend jouer ak avni pays ya. Moment arrivé pour premier ministre Ariel Henry convoquer table dialogue là, pressé pour joindre yon compromis qui pilage passé ça 11 septembre. Ça qui vle dit, mesdames et messieurs, compromis 11 septembre, t'es gen capacité pour te retirer pays d'Haïti dans sa lié ya. Mais c'était bien dommage que l'hypoko capable arriver faire ça. Donc, Ariel Henry, selon André Michel, pressé, faut qu'on joigne une solution, docteur. Pabi M dit nous que pays d'Haïti a mouru dans mes docteur. C'est un bagage qui ironique, mais vraiment essentiel. Parce que non seulement il est docteur, mais aussi il est un homme politique. Côté, il doit supposé combiner tous les deux ça ensemble pour le cabaye résultat dans notre pays. Mais il n'est pas arrivé fait ça. Kounya là, Antobel Marjorie Michel, celle-là, on ne va jamais la comprendre. Pour qui ça me dit ça? Marjorie Michel, immédiatement que docteur et ancien sénateur Moïse Jean-Charles fait déclaration ça, il songe que moi ça, c'est moi la créole qui donc, il y a une série de proverbes qui était caché en bas trou qui commençait à sortir. Mais bien avant, en bâti français, il m'a réveillé pour me raconter l'histoire de l'autre avec sa hilarante liste du conseil de transition des bois durs. Conseil de transition des bois durs. Mais en quoi ça me regarde, c'est du joujou, la comédie. Ça, c'est Marjorie Michel. Kounyala an tombe dans ti proverbe créole. Tizoué zori, mais y bekli. Il fout devant derrière, il pas encore comme ça. Jean est dans ses opposés. C'est pas verdité qui peut poser. Créole la belle. Jean dans ses opposés, c'est bâti verdité qui pas qu'à poser. Donc ça veut dire là, selon Marjorie Michel, gagne moun qui dégue plus vision toujours que Moïse Jean-Charles qui rivait devant Ariel Henry, qui cocobé, c'est bâti Moïse Jean-Charles qui qu'à comprendre, qui qu'à mettre sous pied Conseil national transition. On dit la parler directement ensemble avec membre accord Montana. Si la mort était gras, tu salé, ta fait mon teg. Si la mort était gras, tu salé, ta fait mon teg.
Donc, est-ce que nous comprenons? Est-ce que nous voyons qui ça que politique pays d'Haïti tombe journée jodi à là? Parce que c'est vraiment important pour nous tourner dans le passé, pour nous venir dans le présent, pour nous connaître qui côté exactement que politique pays d'Haïti a lui-même li échoué. Pour qui ça me dit ça? L'on gardé des arguments tant que Marjorie Michel, l'on gardé des arguments tant que André Michel, tant que Nenel Kassi, tant que Ariel Henry, Liz Kittel, Berto Dossé, moun sa yo chaka gen un dossier sous doyo. Et André Michel gen un dossier sous doyo qui passait en 2010. Mesdames et messieurs, après yon te fin arrêté, yon te libéré la, dossier sa, son dossier n'a poté pour vous. L'on gagné la politique là, gagné des Ornel Belizer, gagné des Magali habitants qui, pour yon capable avancer, yon pas pe piétiner moun ki bo kote yo, yon pas pe marcher sous kou moun ki bo kote yo, yon pas pe assassiner, éliminer, obstacle, genre la politique là, juste pour yon capable avancer, pour yon continuer, pour yon capable adorer des séries idées qui médiocres, pour yon parler de avenir pays, sans que pas gagné rien qui a réglé tout bon vrai. Pour avenir pays ya. Nous supposons comme ça. Moun sa yo se yon ensemble d'individus mal intentionnés qui mettent tête yo, yo chita yo réuni, yo di an gade ki je nou ka manje pendant que nap lage miette nan mes peuple la et essaye montre yo que nap travail pour yo. Et voilà, c'est de la comédie, c'est du joujou qu'il y a actuellement là en Haïti, nous sa nou kapab rele politique là. Nous bagay pouvoir en Haïti. Nous avons un gouvernement en Haïti. Nous avons une opposition en Haïti. Ouais, ça, il est quasiment inexistant. Ok? Il est quasiment inexistant. Ça, nous sommes capables de relayer la transition. Cause de transition, ça, il n'est pas existé. Mesdames et messieurs, en un pays, et nous connaissons ça très bien. Nouel, avec SDP. Nouvel avec OPL, nouvel avec RNDP, nouvel ensemble avec yo paquet l'autre parti qui te gen en de pays à côté, immédiatement yo arrive mette yon moun sous pouvoir, ou du moins yo jwenn yon ti moun sou zo, nan gwo boul vyann nan, yo senti yo complet, yo senti yo bien. Donc là, que ce parti pria, faut que nous mwen kite le de côté, pour nous capable commencer à réfléchir sérieusement sous pays d'Haïti. J'en ai annoncé dans le titre, mesdames et messieurs, famille Michael Benjamin annoncé que enterrement a fait 26 novembre 2022, Miami, Floride. Ensemble avec moi, en de déclaration, Tilio, Tilionel, qui a parlé de retour de Mika Ben en Haïti. L'information dit que pour Haïti, n'a fait nous connaître. So, n'a fait nous connaître bientôt, mais Mika est dans le pays. Mika est dans le pays. Bye Haïti l'amour. Voilà, mesdames et messieurs, Rosine Benjamin, c'est un monde qui a un pile courage. Regardez que vous perdez une légende tant que Michael Benjamin et madame n'a assez de force pour être capable de camper, pour exprimer normalement. Et d'après lui-même, c'est bon Dieu, c'est l'éternel, c'est la prière qui bat la force ensemble avec courage, ça y est. Ensemble avec moi, mesdames et messieurs, entendez déclaration maman et papa Mika Ben. Moi, je voulais remercier nous chaque là pour geste ça qui touchait toute famille. Mika pas mouri. Mika pas mouri parce que nous là. Lorsque maman ouais petite a mouri, moi qu'on demande me qui courage que mon cap gagne, mon cap parle avec Koelia. Mais moi j'ai courage parce que j'ai un bon Dieu dans la vie. Moi. Et le message que j'ai gagné pour tout le monde, c'est mettre bon Dieu dans la vie, nous faire bon bagaille. Mika, c'est la musique li vraiment qui fait que nous aimons. Mais c'est surtout gentillesse, la générosité, l'amour que j'ai gagné pour tout le monde. Mika, c'est un monde qui a un cœur dans la main, il n'y a pas qu'à boire au monde.
a souffri. Et voilà, mesdames et messieurs, pas oublier, Mika Ben Mouri, sous scène Accor Arena, 15 octobre 2022. Jusqu'à présent, peuple haïtien a vivre ensemble avec une tristesse. Et après l'assassinat du président Jovenel Moïse, je suis capable de dire que c'est une mort qui fait peuple ça en pile mal, côté où senti que tout peuple haïtien lui-même lui en deuil, lui mettait à genoux devant yon légende qui tombe et nous souhaitons que la famille Benjamin joigne en pile force, surtout madame Mika Ben qui gagne pour lever Timounio qui seulement à peine gagne 11 ans, je crois, gagne qui gagne 11 ans, gagne l'autre là, qui c'est deuxième petite fille, qui poko même gagne 2 années, et madame nan enceinte 7 mois. Et là nous tade Fafa Vanessa lui-même qui a parlé nous que il a assez de force. Maril bal assez de force pour lui capable kebe. Et nous souhaiter Mika Ben continuer bal force jusqu'à ce que lui accouche timoun nan, lui lever timoun yo normalement comme ça doit qui donc prier ak lumière pour Mika Ben et famille Mika Ben. Commissaire Ronald Richemont a bail détail de arrestation Tichito qui a touché chèque l'État en tant qu'employé ministère justice et sécurité publique. Pourtant, Tichito pas jamais vin travail yon seule fois côté li affecté. Donc, accusation qui sous de Tichito, c'est lui-même qui t'a attaqué commissariat au Kaila côté te gen yon policier qui t'est blessé par balle et plusieurs âmes t'est arrivé perdu. Tichito a touché plus corb que yon commissaire gouvernement. Ça n'a pas capable d'étonner nous. Mesdames et messieurs, ensemble avec moi, en temps de déclaration, commissaire gouvernement au Kaila, Ronald Richemont. Ensemble avec moi. Sur deux dossiers volants, évidemment, c'est l'arrestation de Kadobé, alias Tichito, et disparition du confrère La Presse. Animateur vedette de l'émission sur la cour sur les bon FM 102.1. Bon. Et Ricardo Ben alias Tichito, monsieur Salvé, il a arrêté le 19 octobre 2022 aux environs de 4 heures dans un restaurant bien connu dans la ville. Et Ricardo Ben alias Tichito, comme tout le monde connaît, il fait objet de plusieurs chefs d'accusation. Donc, il y a un mandat de plusieurs, environ un mois déjà. La police, avec la justice, a cherché pour le mettre dans la code. Je me souviens assassinat sous Franz Casimir. Franz Casimir, c'est alias France, c'était un musicien Koulrasta qui était en altercation avec le club dans la ville, qui laissait M. Débalo Balambier. Et finalement, il a joué pour la star du côté de Venet et Ligoté, Tranchy et les ça, monsieur, c'est avec monsieur même qui a des problèmes dans les ça. Et malgré les ça, il y a des plaintes qui étaient posées, parce que les ça, c'est pas le commissaire qui était là. Rien ne suffit pas de faire tout ça. Et l'autre bagaille de Ricardo Gessoudol, c'est attaque sous commissariat 4 chemins. Attaque sous commissariat 4 chemins qui est faite. Lorsque tu as une rumeur qui te fait connaître que PM a quitté le pays. Les ça, Tichito, ensemble avec l'équipe de quoi, mêlé avec un ensemble de gang que la justice la pose à chercher du côté de Kafouaï, notamment Pierre-Michel, Lafaye, Neg, Kouamati, Tonton, et Goliath. Elayem, Gaël, David, alias Tiloni, ensemble de nègres encore, ils marient sous ceci avec Tichito pour envahir ce commissariat au Kaila. Et nous connaissons le résultat. Le policier Lionel qui était en balle la vente, gagne des objets de matériel au commissariat qui est déplacé. Et jusqu'à présent, ce commissariat à Chumian est toujours fermé. Et c'est même nègres qui était attaché au commissariat, gagne un black, gros black. Donc, Goublac, gagne Amboise, nek de quoi qui attaque le commissariat 4 chemins, hein, qui tire Lionel et qui emporte un ensemble de matériel qui l'emploie ensemble avec nek Kafougoye, nek Kouamati. Et voilà, mesdames et messieurs, les choses se compliquent chaque jour un peu plus dans ce petit pays, Haïti.
Ce pays va de bim en bim jusqu'à l'abîme final. Qui donc, en série de moun chita la kayo, yo pa travail, yap touché, yo pa jam paret, yo kote, yap touché. Donc là, et puis nous dit que pays d'Haïti gagne problème l'argent. C'est pas vrai, pays d'Haïti gagne problème économie qui a tout fait, côté nous gagne yon inflation. Non, yon stagflation. Fak nou bay bagay la, jan liye. La police nationale d'Haïti krasé kay gang tizo qui te kon utilisé pour faire base et puis kebe moun yo kidnappé dans zone tapage. Chef gang tizo c'est cousin et puis youn nan bras droite vite l'homme innocent qui impliqué nan un pile crime tankou assassinat policier, kidnapping, vol machine, braquage et la tri. Gen opération responsable yo nan direction départementale ouest 2 la police te mette sous pied pour non seulement pour t'écraser kaisa mais tout pour te débarrasser zone nan de un pile débris bandi yo mette pour empêcher unité spécialisée yo rive sur yo. Jean yo souvent fait yo courir chapé pour yo automatiquement yo réaliser détermination force l'audio qui t'a progressé nan fief yo bla 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 unité soit. Toujours dit c'est une perte. Krasé kay yo soi-disant bandit te habité. Kay sa te ka utilisé pour faire yon paquet l'autre bagay. Mais kounya la c'est qui stratégie la police nationale d'Haïti pral utilise pour empêcher bandi sa yo tourner dans kaisa. Donc voilà, gon paquet travail qui supposé fait en dans la police nationale d'Haïti a. Nan soit 4 tim, 6 mo, 8 mo, nomadeur qui force spéciale que nous gagnons en de pays a. Donc nous supposé qu'on est exactement qui ça, qui côté et comment pour nous capable réagir. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est avec information de mettre bout ensemble avec rubrique tout pour aujourd'hui. Merci d'être que vous like, commenté, partagé et merci d'être que vous invité. Yon famille ou yon amis ou abonné à Info 5 pour être capable de gagner bonne information. Nous vous rendez-vous pour une prochaine sortie de rubrique ça. Restez bénis et protégez-vous. Bye bye, à la prochaine.